Messieurs, l'avenir du club est sur vos épaules. Recrutez-nous les meilleurs, faites des bénéfices et surtout construisez-nous une équipe qui a de la gueule. Bon, ben c'est parti. Elle va être belle, notre ligue. Ouais, bon, on a tout l'été, hein. Post-clop ? Yes. Bon, alors, on a le retour de Drogba, les joueurs de plus de 30 ans avec aucun potentiel et les pépites à côté. Yes. Et ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Jeune joueur, il y a du potentiel et pas cher. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? T'en es où de ton mode carrière sur FIFA ? Oh, bah là, j'ai acheté Ramos, Messi, Wijnaldum, Donnarumma en fin de contrat. Ouais. Ouais, bien. C'est pas réaliste. Enfin bon, en attendant, j'ai gagné la Ligue des Champions, quoi. Donc... Bon, on va faire comme Paris, on va prendre les stars de la Liga en fin de contrat. Ils ont eu Ramos et Messi, et nous, on va prendre Busquets. Le Busquets de Barcelone ? T'as quoi des autres ? Oui, allô, excusez-moi de vous déranger. Oui, je pense qu'il y a un problème sur la marchandise, c'est pas Sergio Busquets qu'on a là, non. Oriol, ouais, mais non, en fait, je veux pas savoir. Même oui, ils font pas des coups de pute comme ça. Conrad de la Fuente, 3 millions, hop, ça part, j'annonce ça sur Twitter. Yes, nickel, ils vont être trop contents de nous supporter. Ouais, regarde, ils sont fous dans les commentaires, ils sont trop fiers de nous. Yes. Et c'est qui, Conrad de la Fuente ? Je sais pas. Mais 3 millions seulement. Bon, Enrique, on va pas vous mentir, vous avez pas vraiment le profil de l'Olympique Lyonnais. 27 ans, deuxième division brésilienne, c'est pas ouf. Quoi. Pourquoi on devrait vous prendre ? Mais je suis brésilien. Bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il faut qu'on change de stratégie, tu vois. Il faut arrêter de faire comme tout le monde, il faut qu'on soit un petit peu précurseur. Comment ça ? Et tu vois le proverbe, on ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Je pense qu'on devrait faire, on ne change pas une équipe qui gagne pas. Pas mal. Pas mal, hein. Allez, let's go. Ah bah, eh ben non. Non, mais il faut vraiment qu'on se débarrasse de Cornet. Ouais, mais qui va être assez con pour nous reprendre, gros ? Cornet, 2 millions ? Cornet, 2 millions. 3 millions. 15 ! Eh bah, c'est parfait, 15 millions, c'est 15 millions. Ou alors, on change un peu une équipe qui gagne pas. Et on vend Louza et Touré. Ça, j'aime bien. Ça, c'est novateur. Ça, c'est novateur. Ranieri. Fèvre. Jardim. Laurent Blanc. Ok, il y a un chiffre. 4, 1, 2, 3, 4. Quelle couleur ? Vert. Gourvenec. Eh bien, très bien, ça serait Gourvenec. Ah, c'est live. Ah, tu me fais chier, merde ! À chaque fois, tu me fais le coup. Donc, on a dit qu'on laissait place au hasard. C'est le hasard. Appelle Jocelyn. Défenseur central, champion du monde, solide expérience, ligue de tout contrat, Jérôme Boateng. Yes. Défenseur central, champion du monde, solide expérience, ligue de tout contrat, Adil Rami. Ah. Oh putain, Hilton nous a quitté. Il fallait s'en douter, il était vieux. C'est quand l'enterrement ? Il a quitté le club. L'entraînement ? C'est quand l'entraînement ? Nicolas Depréville, c'est bof quand même. Hein. L'année dernière, c'est un but en 33 matchs. Hein. Bon, c'est pas mal pour un défenseur. On prend. Oui, voilà. Le défenseur Nicolas Depréville. Mmh. Bon, c'est une bonne recrue, ça. Faut absolument qu'on vende Nyang à Saint-Etienne parce qu'il nous sert à rien et il nous coûte super cher. Je les appelle. Ça répond pas. Ah putain. Ah putain, on a raté Bayo, fait chier. C'est ballot. C'est de Bayo même. Bon, il reste à Clermont du coup. On est Clermont dans la merde. Bon, on s'y met quand même peut-être. Hein, ouais. Oui. Comment ça, c'est fini ?